bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie80 pour YouTube et Dr. Twi, président Wookie pour Twitch. Dr. Twi pour vous servir. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, bon, ça va. On se retrouve pour l'épisode. J'ai encore le Pokémon qui déconne, quoi. Bon bah le Pokémon il apparaît plus encore. Oh mais qu'est-ce que c'est de ce bordel, j'en ai marre. Pokémon il apparaît plus, il y a encore un bug ou je sais pas quoi là. Ça va Steak. Salut, salut Kara, salut Cédric. Non je crois pas que taper dessus fonctionnera, je dois avoir un bug avec c'est encore Pokémon qui déconne hein. Vérifier ailleurs, mais bon. Oui, bon, bah, il faudra que je voie quand il y aura un Pokémon qui va apparaître. Oh, ça sent la pluie là d'un coup. Donc, oui, alors, je disais, on est sur l'épisode 54 de Speedstorm. Tu m'étonnes, attaque bug du système. Bah voilà, on va partir sur les quêtes habituelles, le quotidien, le saisonnier si on peut. Faire commencer enfin la deuxième partie du chapitre. Pour récupérer la bobotte. Pom pom pom. Ok. Ok, rien de neuf. Manul ! On récupère un bout de Shang. Shang, 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 Shang. Alors, 11 pour gagner une étoile. 61 pour gagner. On va acheter les améliorations là. Nouvelle offre dans 3 heures. Ah oui, bah, je pense que je serai plus en live dans 3 heures. Hein. On va acheter des pièces de Mulan si. Bon, faut qu'à faire. Hein. Allez, hop. Ah, comme ça, celle de 100 fois 3. Donc, les quêtes quotidiennes, qu'est-ce qu'il y a? Ça me picote le nez. Ah, il y a le quotidien aussi. Dans 1h40, c'est de l'arnaque. Alors, déraper pendant 60 secondes, ça va pas être difficile. Étourdir 8 adversaires avec une brute, ça on verra pour le feu, on le fera au fur et à mesure. Et foncer sur des adversaires. Donc, déraper, ok, brute pour le deuxième, et je pense à un tank le mieux pour le troisième. Donc on va déjà faire nos événements spéciaux, le boost de pilote. Est-ce qu'il y en a qui ont du bonus? Non. Qui c'est qui est proche d'avoir une pièce pour gagner un second level? Là c'est une brute. Elle est là à 3. Ah, Radzowski il en récupère 2. Mais c'est un sprinter. C'est pas grave. Hop, let's go. Alors comment ça va Kara? Et toi Cédric, comment vous allez? Comment vous allez? Quoi de beau? Une compétence chargée, 3 compétences.
Ok, une compétence chargée et trois compétences. Bon, ça, c'est pas du difficile à faire. Hop, voilà déjà compétence chargée. Ah, j'ai raté. Ça va un peu mal aux pieds comme j'ai travaillé ce matin. Ah bah oui, ça c'est clair. Hein, c'est... Ça faisait combien de temps que t'avais pas été au... que t'avais pas fait du boulot, que t'avais pas été au boulot, je veux dire. À mon avis, un bout de temps, non? Hop, cassez-vous les bestiaux. Et aïe! Mais vous arrêtez de me bousculer là, bande de vieilles charognes! Bon, mais... environ 9 mois, oui c'est ça, voilà c'est pour ça. Hein. Oh je pense que encore deux ou trois fois le taf et puis tu auras repris l'habitude je pense. À moins que tu aies pris du poids depuis le temps. Ce qui pourrait jouer. Oh oui quoi, pour le poids? Ou bien attendre 2-3 fois 102 kilos, putain la vache. Mais t'as grossi. Bon remarque, moi je suis à 92 hein. Hop, 2 pièces de neneuil. Voilà, ça c'est fait. Ensuite là il faut du vice versa. Ok. Toi, je peux t'améliorer. Nickel. Bon, tiens, on va la prendre. On va prendre des goûts. Nous voilà dans la tête d'une gamine. Il faut que j'arrête de donner mon sang, je suis en manque de fer. Bah, faut manger des épinards. C'est le truc qui a le plus de fer dedans. On remarque aussi en bouffant des Kellogg's, ça peut jouer parce qu'il y a aussi du fer là-dedans. Non, pas de la viande rouge. On parle de fer, pas de gras. C'est déjà assez gras comme ça. Oui, tu peux toujours grailler la bagnole, mais bon, je sais pas si ça sera assez digeste. Oh, ça va, c'est cool, c'est le petit circuit. J'avais pas vu. No.
mais le turbo stage 4. Bah celui que j'arrive à avoir le plus de turbo d'affilée, c'est avec Félix Flick Junior. Comme il a souvent la possibilité, il a souvent des boosts et sa capacité spéciale, c'est de bouffer une tarte qui donne un boost aussi. Juste les dérapages, ça donne assez bien avec. Mais là, c'est un sprinter qui fait partie de la licence Les Mondes de Ralph. Et là, c'est pour faire les courses avec des personnages de vice versa. Mais je m'en fous des promotions, des soldes sur le textile au Leclerc. À peu près du 175 km/h sans turbo. Hein. Non, c'est Vanellope, à peu près 175 sans turbo. Dégout, il me semble que c'est dans les 150 et quelques. Là, elle a 140. À 180 km/h. De quoi, désolé, c'est toi? Ben non, c'est pas toi, c'est Leclerc qui m'a envoyé un message. Et on va prendre peur un peu. On lui donne un coup de pied aux fesses. Peur, c'est surtout un personnage qui a beaucoup de trucs défensifs. Bon, j'ai raté mon passage, tiens. Ah, j'ai raté la rampe. J'ai oublié de sauter, abruti de Wookie. Hop là. Ça fait coucou la petite peau, lol. Tu m'étonnes. Là, je peux pas la faire, j'ai pas Wally. Là, il faut Kermit, je ne peux pas le faire. Wally, c'est déjà fait. Small things positive. Ah. Il faut dégoût. Tristesse, colère, ouais, d'accord, je peux en faire que deux des quatre. La première avec peur, glisse, gagne la course et glisse sur un rail.
Il y a un triton qui vient d'apparaître, enfin, oui, qui est apparu. Pokémon Tetar, tier C, type O, stat total 294, effectivo, net et nest. Je vais regarder sur un autre live si le Pokémon apparaît ou si ça vient de moi. C'est quoi qui vient d'apparaître, un triton? Ouais, ça vient de moi. Alors attendez, je vais actualiser le. Merdier là. Ok. Je viens de capter, ok. Voilà, ok. En fait, c'est parce que le Pokémon était tout petit. Ok. Ok. Alors, gagne, glisse sur un rail. Pendant au moins 5 secondes. Bon, il y a des. Si c'est le même circuit, ok. Donc, il y a des rails. Ça va, ça va le faire. Mais il ne faut pas que je dérate. Donc, ici, c'est presque le plus long. Ah non, c'est le premier passage. Bon. Bah, abruti, pourquoi je suis descendu? Dégage, Jessie. Ah, c'est celui-là le plus long. Voilà. Bah, si je me prends le truc de Jumba sur la gueule, sur la bouche. Ok, bon, on l'a fait. Maintenant, l'autre objectif, c'est avec des coups. Hop, ça, on nettoie, on envie. Faut du novice, du jeune. Attention, chien féroce, là, tu m'étonnes. Chien féroce, ouais. On va dire ça comme ça. Ce truc aboie plus qu'il ne ment. Ah, c'est la Ruby, la petite noire, qui l'ouvre comme ça. En gros, c'est derrière tranquille, je crois. Faut gagner la course et rester dans les airs au moins pendant 10 secondes. Ok. Voilà que je vais faire les 10 secondes.
Vraiment de la musique de merde, ça. Hein. Bon, ça fait du bruit, on prend un peu pour tout le monde, mais bon. Ouais, ok, tais-toi. Ok. Voilà. Bon, normalement, on a fait la quête. On a resté facilement les 10 secondes dans le ciel. Enfin, dans les airs. Oui. On récupère deux pièces de quoi? Deux pièces de je sais pas qui. D'hélicoptère, ok. Rien à battre. Voilà, pour le moment on peut plus rien faire parce que c'est joie, tristesse, colère qu'il faut. Et j'ai aucun des trois. Alors là il faut Jesse. Ok. Il n'y en a qu'une seule pour Jesse. Donc gagner la course et utiliser deux compétences spéciales. Là on va peut-être avoir Kermit là. Kermit. J'ai déjà quelques pièces, il me semble. 4, je crois. Peut-être qu'on va récupérer les 6 manquantes. 2 compétences spéciales. Ok. On l'a déjà une. Ah, j'ai raté mon coup. C'est ta faute, ce de souris. Espèce de kebab. Quoi? Il me faut quelqu'un qui prenne le coup. Kara n'est plus là, donc c'est toi. Voilà. Ah, puis j'ai raté le truc à vous, putain, à budget là. Ah, ok, on passe au-dessus. Cool. Ah, oui, mais il faut tourner quand on est dans le ciel là, comme ça. On a fait deux compétences chargées spéciales et une classique. Je pense qu'on a fait l'objectif. Oui. 5 pièces de garnouille. Ah non, une. Ah ouais. Donc la suivante, c'est avec Razovski. Donc il faut du minimum 22. Est-ce que le neneu il est au bon level ou... Ouais, il est level 23, il a tout juste. Il n'y a pas deux, hein, kebab. Donc là, avec gagne la course et utiliser le boost. Donc il faut que j'ai le boost plus...
pense qu'on l'a, là, le boost. Hein. 20 secondes de boost à utiliser. Voilà, allez, 20 secondes. Bon, ça fait 3 pièces, à mon avis, on n'aura pas la garnouille. Je croyais que j'en avais plus que ça, mais en fait, non. Sa sucrerie et Stitch. Bon, bah, Stitch, c'est mort, lui, il est en dessous, bien en dessous. Allez, pas le niveau 13, toi. Sinon, sa sucrerie, c'est le dernier que je peux faire. Gagner deux compétences spéciales, ok. Enfin, la compétence spéciale. T'as mis le temps. Voilà. Aïe. Portel Tomerton. Ah bah voilà, enfin le Pokémon il apparaît. Pour ceux qui ont pas mal de points, j'ai rajouté des points de chaîne. Bon, c'est un peu élevé, mais bon. vu ce que c'est. Là c'est Stitch niveau 22, donc c'est mort. Bon bah on a fini la grenouille pour nous. Hein. Là il me faut dégoût, niveau 25. Ah ouais. Gagner la course et déraper.
Normalement, je devrais y arriver, puisque quand elle était level 22, j'ai réussi à courir. Faut pas que je me laisse distancer, tout simplement. Si je me laisse distancer, c'est mort. On s'est échappé. Ben, ils cherchent à me foutre dans le décor, hein, les adversaires. Hein. Ouais, il y en a, il a une sacrée avance, quoi. La course est perdue là. Au moins, elle a un bon coup de bol juste sur la fin, mais. Oh, peut-être que. Quelques. Ah, je croyais qu'il y avait plus de musique, c'est quoi de ce beat? Je crois que je mettais du temps à démarrer. Ben non, il faut être premier. Parce que l'objectif, il faut, par exemple, là tu vois, il faut gagner la course. Et le deuxième objectif, c'est gagner la course et déraper sur 800 mètres. Faut forcément gagner avec les contre-les-bottes. Souvent, bon, c'est atteint le top 3, mais généralement, un objectif second, un autre objectif, c'est gagner à course. Donc, il faut toujours gagner, il faut toujours être premier. Ah, tu vois, l'objectif, c'est gagner la course. Je vais laisser tomber des coups, elle a un peu trop. Il lui faut encore peut-être un level avant de pouvoir retenter comme il faut. Ouais, c'est gagner la course avec n'importe qui là. Enfin, n'importe qui de la franchise, vice versa. Donc bon, pour ma part, c'est peur ou dégoût. Puisque Joa, c'était le personnage payant de la première partie de la saison 8. Et là, c'est Anxiété, le personnage payant de la deuxième partie. Sinon, il y en a un autre des personnages de Viserza, mais je sais pas c'est lequel. Je crois que c'est le personnage Flemme, ou je sais pas trop quoi. Comme j'ai pas encore vu Viserza 2, je ne sais pas son nom. À la nouvelle.
Bon, je sais qu'il y a anxiété, qu'il y a embarras. Je sais pas les autres, c'est quoi. J'ai rattrapé un peu les meubles, j'ai récupéré un gacha quand même. C'est quoi dans le gacha? Ah, pas de pièce de dégoût, ça m'en frotte. Foutre vos trucs payants là, offrez-les les personnages plutôt que de nous casser les jouquettes avec les trucs payants. Je voulais voir quoi. Je sais plus ce que je voulais voir. Ouais, je sais. Faire une course avec la belle et la bête. Gagner une course. Donc niveau 15 minimum. Je crois que Belle elle peut passer mais tout juste. Ouais elle peut passer. Je vais lui mettre un niveau de plus. Voilà. Ouais mais c'est exagéré parce que c'est hyper cher quoi. Il y a certains trucs c'est 2450 pièces Speedstorm. Là il faut effectuer 3 boosts de drapage, top 3 gagner à course. Ok. Bon, les boosts sont pas trop durs à faire. Là, on a déjà 2. Et 3. Voilà. Non, c'est atteindre le top 3 et gagner la course avec un personnage. Donc voilà l'objectif, il faut gagner la course. Atteindre le top 3, mais gagner la course. En me faisant shooter le popotin que je vais pouvoir gagner à course. Hein. Non, le premier a pris un peu trop d'avance. Non. J'ai merdé avec les personnages. Et j'ai pas eu de bon objet. Moi aussi. Je me suis fait canailler le popotin. Je fous un coup de level dans le nez.
Hein, quand on ne sait pas canarder le popotin, ça marche, ça finit tout de suite mieux. Bon, il y avait un level en plus que jusqu'à la course précédente, mais. Voilà. Et la dernière, en expert, je crois. Oui, c'est ça, c'est en expert. Il faut gagner et utiliser le boost 4 fois. Gagner, utiliser le boost manuel. Ah oui, le boost manuel. Ah oui, faut pas que je me trompe. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne un personnage avec le boost. Et qui a pas trop de capacité. Enfin, de compétences. Là, il en a plus. Et c'est le boost manuel 4 fois. Il n'y a qu'un tour, c'est difficile, hein. Fais sauter le popotino. Tu m'étonnes. Un nouveau contenu disponible que sur la chaîne YouTube. Venez me suivre nombreux. Ok, ça c'est fait. Hop. Nickel. Là il faut belle niveau 22. Je me rappelle plus à combien qu'elle est belle. Et il y a un Lilia sauvage qui vient d'apparaître, Pokémon liste d'eau, tiercé, type roche et plante. Stat total 355. Mais débrouillez-vous avec ça. Gagner à course et déraper pendant 20 secondes. Bon, on va sortir ma cocotte. Bon, niveau 16 recommandé, elle est niveau 41. Je devrais le faire, non? Toi déjà tu dégages. Et je me casse moi. Ciao bye bye. Et ciao babouille. km/h là qui est montée. 200. Désolé, on a réaménagé le bureau. Non, il n'y a pas de souci, Cara, je t'en prie. Hein. Et merci pour Ali. Oh boy. C'est moi où j'ai... Ben, dis-moi où est Obélix. Wow. Obélix, je l'ai vendu aux Romains. Il me cassait les jouquettes, a tout le temps bouffé mes sangliers.
moi ou je suis en train de leur mettre une bonne avance dans le nez aux autres, non? Hop là. Le pauvre. Ouais, bah... c'est comme ça. Voilà. Une 43 que j'ai fini. Le deuxième, il a 2,20. 30, 20, 30, 35. 35 secondes dans le nez. Ok, on récupère pas de pièces intéressantes. Hop, on part avec Vanet. Là j'ai mis le niveau maximum que je peux mettre parce que je peux pas monter au-delà, j'ai pas le choix. Donc on va voir combien de temps que je vais mettre dans le nez du deuxième. Combien que je mets, que je vais mettre dans le nez du deuxième, Cara. Secondes. Ah ouais. J'avais mis 45 secondes dans la course précédente parce que j'étais en niveau 22 recommandé. 16 recommandé. Là je suis niveau 22 recommandé. Donc les adversaires sont un peu plus coriaces. Oui, tu peux le dire, Néopère, aïe aïe aïe. Hop là. Alors, résultat... Ah non, 29 secondes. On compte pas les centièmes. Bon, des pièces de belle ou pas? Ah, une pièce de moche. Cool. Par contre, j'aurais pas assez pour l'augmenter d'un level. Là, c'est tout côté, on commence avec un rat. On prend qui pour la course? Balou, Stitch, Olaf, La Bête, Ralph, Jumba, Anna, Shang, Mowgli, Daisy, Hans, Belle, Jack Sparrow, La Bergère, Mulan, Olaf. Parti avec Olaf. Je voudrais un bonhomme de neige. Ok, je sors. Alors, l'objectif c'est boost manuel 8 secondes, top 3, 5 compétences. Top 3. Donc en gros, il y a juste à tracer, quoi, tout simplement. Il n'y a
plus de quêtes à s'occuper, il suffit de tracer. Ah, y a deux tours. On va mettre qu'un tour, là. Ça sert à rien de faire plus, vu la taille du circuit. Un tour, ce serait largement suffisant. Hop là, voilà. Un miel. Top 3, objectif atteint. 5 compétences atteint. Boost manuel, vise bon atteint. Je te commence avec un rat. On récupère une peinture. C'est un doublon. Ça va nous ramener. Ah non, il n'y a pas de peinture ce coup-ci. Wouah, miracle. Et le dernier, c'est. Ah, Star Chaser à la bergère. Ok, la bergère, il faudrait qu'elle soit niveau 16, niveau 22, niveau 22, est-ce qu'elle est niveau 22 la bergère, niveau 19, un tout petit peu belle. Là, il faut peur, ou la bergère. Donc, gagner à course, c'est étourdi 8 adversaires. J'espère que j'aurai les objets suffisants, les bons objets pour étourdir. Et que le circuit soit assez long. Hop, on est déjà bien. Oh mince, fallait tourner. D'accord, il n'y a que des bombes ici. Ok. Bon, bah, l'étourdissement des adversaires, ça va se faire facilement. Mal à la tête, je te laisse bonne soirée. Ça marche, Cara, merci d'être passé. Et puis, ben, repose-toi bien, soigne-toi. J'aime la course et utilise 10 compétences chargées. Ah, il faut faire des compétences chargées aussi.
bon, récupère quand même des pièces de bergère, j'espère. Que dalle. Donc là, il faut des compétences arrière. Déraper, compétences chargées. Non. Déraper, compétences chargées, voilà. Déraper, compétences chargées. Casse-toi, Stitch! D'apparaître Pokémon Homme, Tier B, type Spectre. Stat total 303, effectif Ball, Fantôme, Feather, Ball. Tout à fait, c'est échappé. Personne ne l'a attrapé. Et il y a. Bon. Hop, ça c'est fait. Par contre, l'objectif supérieur, je pense pas qu'il va être réalisable encore pour le moment. Oh, bah, décidément, je récupère des pièces de princesse, de bergère. Ouais, c'est...
Ok. Bon, bah, on a fini les quêtes du jour. Oui, m'en fous des boîtes de saison. Il faudrait la bergère et Belle, je crois. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être augmentés? Belle, oui. Hop. Et bah, c'est tout. Alors, quotidien, c'est dans 41 minutes. Ça fait seulement 20 minutes? Mais non, pas possible. Alors, l'émission, voilà, oh, l'émission, elles sont même pas assez, elles sont même pas en fait complètement. Alors, étourdir 8 adversaires avec une brute. On va déjà faire ça. Donc, on va partir. Ah, tiens, il y a du nouveau là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un nouveau tout est fait. Toute cette connerie. Bref. Alors. Dans la mémoire à long terme. Terminer la course, atteindre le top 3 et gagner la course. Ok. Oh, ok. Ah, on s'est obligé de faire ça avec elle. Oh. Bon, donc c'est terminer la course. Ok. Les autres objectifs, on s'en fout. Enfin, gagner la course. Les autres objectifs, on s'en fout. Piquer le truc sous le nez, l'enflure. Bon, j'essaie pas de grimper en haut parce que c'est pas la peine. Déjà qu'elle est lente. Donc c'est un tank, je suppose. Oui, un tank. Non, une brute. Parce que c'est peur qu'il y ait une tank, qu'il y ait un tank. Oh, je sais pas. J'ai pas spécialement regardé. C'est longue la course, hein. Alors, résultat ressenti, tristesse est nulle. Elle est nulle, elle est pas agréable à conduire. Bah, comme toutes les brutes, hein, j'aime pas les conduire. Hein, donc, les tanks aussi, j'aime pas les conduire. Tank, hein. Atteint le top 3, gagner la course et passer sur des flèches. Ok, bon. Oh, on peut prendre n'importe qui. Cool.
général. Bon, j'aime pas le conduire, c'est pareil, hein, c'est une brute, hein, mais bon. Il y a des objets, il faut que je fasse les brutes et les tanks là, parce que j'ai des quêtes là. Voilà, on est passé sous les 4 flèches demandées. La compétence chargée, je me suis raté. Ah, la compétence chargée derrière. Ouais, c'est rare que je passe par là. Quelque chose d'intéressant ou pas? Non, rien du tout. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je saute? Hop, voilà. Pas de secondes dans le nez. Ok, bon bah ça c'est facile au début, hein. on va pas se prendre pour un champion de Speedstorm avec les quêtes de niveau 3. Hein. Étourdi 8 adversaires, ça c'est fait. On passe au niveau 7 du passe d'or. On récupérera tout après. Ouais, on récupérera tout après. Ah non, je suis obligé de récupérer pour passer à côté. Ah, c'est ça. Ok, alors, les... faut foncer tout à l'heure des adversaires encore une fois. Ok. Atteint le top 3, enfin, il faut gagner la course. Et avec colère. Oh. Oh, c'est énervant. J'aime pas trop quand ils donnent des personnages obligatoires. Enfin, c'est logique, c'est fait dans le jeu, c'est pour éviter de tout fumer avec un seul personnage, quoi. C'est, on a, tu boostes ton personnage, et puis voilà, quoi, c'est tout. Tu le boostes, tu le boostes, tu le boostes, tu le boostes, tu fais toutes les courses avec, puis voilà, tu gagnes, quoi. Homme de chien.
pareil, colère, je n'aime pas. Il se traîne trop le postérieur, pour être poli. Hop, ça c'est fait. Hop, hop, hop. Et normalement, on fait aussi la quête de concession des adversaires. Oui. Ah, ça, c'est Death. Ah, salut, monsieur Death. Comment on va? Ben, j'ai foncé dans les adversaires, non? Ah oui. Alors, étourdis 50 adversaires avec un tank. Ok. Étourdis des adversaires avec un tank. C'est pas moi. Si, c'est toi. Mickey Mouse. C'est pas un tank, c'est un sprinter, ce truc. Top 3, gagner, déraper 15 secondes. Si, si, si. C'est facile, hein, j'ai juste à aller voir dans le sound d'alerte hein, pour voir c'est qui a fait le son. Hein. Et il y a un Banzai qui vient d'apparaître. Pokémon Banzai, tier C, type roche. Total, je sais pas, je vois pas. Stat total 290. Ok, bon bah y a rien d'autre. Comment ça va? Utiliser la capacité classique hein, parce que j'ai personne derrière moi, il risque pas de profiter de mon accélération. Il risque pas de profiter de ma traînée de boost. Ah Brutix de Wookie débile. Ça va. Bah nickel alors. C'est tout ce qui compte. Si la santé va, tout va. Comment on dit? Si la santé va, tout va. Si la santé va, tout va. Ok, j'arrête. Hop, allez, on passe au niveau 8 du passe d'or. Tchouk. Et on récupérera tout à fin comme j'ai dit. À part ça, ça me débloque les chemins. Non, ça me débloque pas le chemin. Alors là, il faut gagner la course, tout simplement. Gagner la course. On va améliorer ce tourson mal lâché. On va le prendre. Non, c'est si l'appétit va, tout va. Oui, ben je l'ai modifié pour la santé. Non, mais. Puis ça passe aussi. Si la santé va, tout va. Si la santé va, tout va. Casse-toi, dégage. Casse-toi. Laissez passer. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui. Ça c'est Death qui chante ça dans sa douche le matin. Non? Break me down. How's it gonna be?
Ah, il y a deux tours. Hop, passe d'or niveau 9. Ah, course à la bombe. Hop, on récupère ça. Nouvel équipier. Ah, ah, le bouteille. Niveau 2. Ah non, niveau 3. Ok, alors, top 3, gagner la course, rester dans les airs 9 secondes. Ok. Top 3, enfin, gagner la course et rester dans les airs. Enfin, il faut juste gagner la course et rester dans les airs 9 secondes. C'est juste ça à retenir. Elle va mûrir. Ah, je vais mûrir. Vraiment, je peux plus rétro. Il faut aussi satisfaire du nécessaire. Oh yeah. En fait, je remarque tout de suite, c'est un peu d'eau fraîche et je sais plus trop quoi, enfin bref. Bon, je pense qu'on est resté au moins 9 secondes là avec tout ce qu'on a sauté là pour le moment. Oh, on veut la musique de merde là. C'est bien Dope Frequency, mais le problème, ils mettent souvent de la merde en musique et puis ils la mettent plusieurs fois dans la même dans le même truc de 4 heures. C'est chiant quoi. Quand c'est de la musique potable, oui. Quand c'est du là. Mookie, ça ne sert à rien de pencher la tête. Tu tourneras pas mieux comme ça.
Hop. Normalement, c'est bon. On doit le faire, on doit avoir fait les gâteaux. Hop, hop, et hop, c'est bon. Et on récupère des pièces de niveau 10. Et on récupère des pièces de peur. Ce cours ça, bon, il faut du monstre et compagnie. Il faut gagner la course. Ok. On va prendre Celia. Gagner, c'est tout. Ça va être vite fait. Ah, c'est une course à la bombe encore. J'aurais pas pu avoir la quête là juste avant, non? Ça, j'aurais pu faire la quête. Enfin, l'objectif saisonnier est d'étourdir des adversaires à Arendelle. Je suis arrivé à mon guignol là. Ah ouais, je viens de regarder le retour là, y a rien, il a juste pété un plomb quoi. J'ai l'impression que c'est plus long par en bas. Pour récupérer les pièces de Jesse et les sous-sous. Ok, donc gagner la course et utiliser le boost manuel pendant au moins 10 secondes. Encore un Randall. Il va bien repérer. Il n'y a qu'un tour. Bon, bonsoir.
Hop, niveau 11. Hop. Là, c'est gagné à coup. Ah, on peut prendre n'importe qui. Bon, on va sortir la cocotte, hein. Et on va tracer notre mamie. Déjà, toi, tu dégages. Apparaître. C'est un côté quelqu'un. Ah, un scorbolide. Pokémon Cocon Plopode. Ouais, vache le nom, hein, bon, mets-le toi. Je l'ai. Tirbé, type insecte poison, stat total 360, effectivo, la net et siffeur. Je vais balancer devant moi. Bolide s'est échappé, personne n'a attrapé et personne n'a tenté. Hop, niveau 12. Hop, ça on embarque. Doublon. Ah. D'accord. 1500 l'aileron. Ouais. Je m'en fous des pièces de Aladdin. Alors, deux essais restants. Gagner à course. Okay. Bon, on garde notre cote, hein. On passe. Hein. De manière, ça change rien que je la prenne elle ou un autre, donc bon. Bon, c'est du un tour, ça, je pense. Non, même pas deux tours. Dégage, Eve. Je t'aime bien, mais là, t'es mon adversaire aussi.
mon avis, avec tous les boosts et turbos que j'avais là, j'ai dû dépasser au moins 210. Non? Ah, on voit pas ce live. Ouais, parce que c'est en bas à droite. Et vu la position, c'est derrière le Whoopi Catch et le dernier poilu qui a sub. Enfin, qui a follow. Pardon. Parce que les subs, c'est le premier. Le premier, c'est bah, le dernier follow, c'est. Non, le dernier abo, c'est Das. Dernier follow, c'est Ryan. Dernier bite, s'il n'y en a pas. Hop. Elle était longue la course, hein. Je crois que ça va être pareil là, c'est la même il me semble. Bon, 100 pièces d'Amelio, c'est tout. Ah, 300, ouais. C'est déjà bien. Je crois que c'est Michael Sambello qui chante ça. Ah non, c'est pas la même course. Bon, enfin, celle-là aussi, elle est un peu longue. Lâcher le dérapage tout juste pour passer à ras de la corne. Ou de la défense, j'en sais rien, c'était quoi. Enfin, c'est un truc qui m'aurait freiné, quoi. Ah oui, j'étais en mode bug chargé. C'est pour ça. Ah non, c'est pas une défense, c'est une planche de surf. Ah oui, on est chez Lilo et Stitch. Je pense qu'une défense coûterait là, quoi. Ah ouais, il y a trois tours. Un circuit un peu près, un peu court, enfin un peu long, c'est un peu exagéré, trois tours, non? Ouais, c'est une planche de surf. Ah tiens, il y a le 8ème qui est devant moi. Enfin, qui est devant moi. Oui. Je le vois pas, mais j'ai vu la traîner là. C'était qui en 8ème? Ah d'accord, Hortenseur. Ok. Hop, voilà, ça s'est emballé. Ça fait 4 items. Ok. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire vite fait? J'ai eu compétence 5 fois, activer 5 boosts, étourdir 50 adversaires. Avec un tank.
Moi, on peut faire ça éventuellement. Dans la course à la bombe. Il me faut un tank. Ah bah, celui-là est un tank. Donc est-ce qu'il faut les étourdir avec en leur fonçant dedans ou avec des objets? Bon, on va essayer les deux. Donc j'étais à 10 hein. On a déjà 3. Oh, ça souffle là dehors. On va te voir. Pas le ventilateur qui est en marche, donc c'est qu'il va flotter. Et comment ça chouche, ça chouffle. Alors, on défonce tout ce passage, hein. Sinon c'est pas drôle. Là j'en ai étourdi 5, donc est-ce que ça compte avec les bombes ou bien c'est vraiment ceux qu'il faut que je percute? Parce que les 5 que j'ai étourdi, c'est avec les bombes. Ah non, j'en ai percuté un ou deux aussi, il me semble. Bon, enfin, on verra bien. Si je réussis la quête après la course, c'est que c'était avec des objets ou avec notre carte. Il en fallait 15 et j'en étais à 10, je crois même pas. Enfin, j'ai pas compté les percutages que j'ai fait avec le carte. Hein. J'ai juste compté les bombes. Ah mince, j'ai pas compté. Donc on est à 26. Oui, j'étais sur autre chose. On va essayer. On est à 26. Hop, 27. Thank you.
pour moi, on n'a qu'à 28 ans, on n'en a pas fait d'autres. Donc à mon avis, on va voir si ça a bien passé à 28 ou si c'est passé qu'à 27. Comme je crois que j'ai foiré le fait de le percuter, le seul qui a vraiment été validé, c'est avec la bombe. On verra bien. Et il y a un serpent qui vient d'apparaître. Pokémon Abyss, tier B, type O, stat total 485, effectivo, la net. Je l'ai. D'accord, ça va pas bouger. Donc c'est pas avec des bombes qu'il faut le faire, c'est en les percutant directement. On va tester sur un autre circuit en les percutant. Échappé, personne ne l'a attrapé. Je crois que l'étourdissement avec compétence ne fonctionne pas. Il faut vraiment les taper, quoi. C'est le cas, je vais pas le faire. Je pensais que ça allait être assez vite en utilisant les bombes ou les machins comme ça, mais en fait non. Donc ça se fera au fur et à mesure. Et après, quand il ne restera plus qu'un ou deux à faire, bon, on se concentrera un peu là-dessus, puis voilà. Donc c'est en les percutant directement avec le kart. Ok, bon, on va récupérer nos récompenses et on va se stopper là. Hop. On récupère le sombre secret enfoui. Ok, c'est cool. Équipière. Niveau 3, remue ménage. Bonus de compétences, ok. C'est tout, on a récupéré deux trucs. Bah oui. C'est nul. Oui, je m'en fous des... Hop. Alors, ah, le quotidien, enfin là. Hop, on récupère tic et tac.
Wallis, équipement, équipier rare. Ok. Nouvel équipier. Ah, on l'avait pas. Ah bah si, on l'avait. Ah, nouveau niveau d'étoile, ok. Tiens, en nouveau. Ah oui, c'est... Hop, on fait retour, hop. On fait retour, voilà. Ok, dans la boutique, c'est dans une heure, les nouvelles offres. Ok, rien de spécifique. Des pièces, ouais, il manque que je débloque un nouveau personnage, hein. Ouais, des pièces Kermit, c'est mort, je vais faire la connerie. Wally, ok, bon, il y a un truc comme ça. Ah, nouveau truc de collection, Mulan, d'accord, une combi, ok, c'est naze, c'est pourri, ça pue. Ah, j'ai des pièces bleues. J'ai 20 pièces bleues. Oh. Bon, on va en utiliser 10. Nouvel équipier. Hop là. Wilbur. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est le piaf qui soi-disant, est, connaît tous les trucs de la surface. Soi-disant tout ce qui sert là, comme la fourchette, et il dit à Ariel que c'est un peigne. On va bien débloquer Ariel, mais bon, il manque 9 pièces là. On va falloir refaire hein, pour les avoir. Ah, encore 2 pièces de Jafar, 2 pièces pour Jafar, et on le débloque. Ah, on débloque les fantômes solitaires. Encore une pièce de bergère. Des équipiers, enfin, donner des pièces de pilote là, les loots ont soi-disant été augmentés pour avoir des pièces. Bah, je vois pas où est-ce que ça a été augmenté. Hein. Enfin, le pourcentage des loots, ouais, c'est de la merde. Je m'appelle Olaf et je mets, ouais. Pareil, les deux vis que j'en ai à péter. Ça sert à rien aussi. Oui, le râleur, je suis râleur. C'est un râleur, le Wookiee. Putain, 7000. Non, mais ils ont fumé la joquette. Eh. Ils ont fumé la joquette, hein, les pépères. Oui, ça c'est dans une heure, je l'avais dit. Ok. Bien, bah, on va se stopper là, les amis, après 1h54 de vidéo. Oula. Oula.
Bon, peut-être que j'en reviendrai plus tard, ce soir, enfin j'en sais rien, je verrai bien. Bah, vous verrez bien aussi sur la chaîne YouTube, hein, s'il y a du changement. Bah, c'était Dr Chewy, Mr Wookie, ainsi que Wookie 88. Bah, j'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, la cloche, le petit partage, enfin après vous connaissez la chanson. Hein. Ou à me rejoindre sur Discord, Twitch et Kick. Bah, les liens sont dans la description. Donc et bah, sur ce, le Dr Chewy vous dit à ciao babouille, bisous. Oh, j'ai pas regardé parce que je vais faire un raid s'il y a du monde. Voyons voir. D'accord, j'ai personne. Ok. On va regarder un peu dans les speedstorms mais en français. Bonjour, qui c'est? Bon, ouais, bon, on va partir là-dessus, sur la personne là. Donc, on part chez Vanessa78403. Je ne connais pas. Bah, soyez sympa, des petits coucous. Enfin, voilà quoi. Allez, des bisous à tous!